se réchauffe pour tantôt. Est-ce quelqu'un qui prendrait une gorgée de mon fameux chèque de champion? Oh! C'est savoureux! Alors, la seule chose qu'on va savourer, c'est notre victoire! C'est pas un! Ouais, t'es optimiste! Oh, mon père a raison. Non, l'équipe des vies, en fait, tu prends même pas aucun but. Ça va finir 6 à 0! Regarde qu'est-ce qu'il est capable de faire, le vieux. Oh, boy! Vous devez toucher vos orteils, Monsieur Bocage. Je sais, là, ça s'en vient. Le hockey, c'est comme le bicycle, hein? Ça se perd pas. T'inquiète pas, papa. Mets des chaises droites sur le bord de la bande pour les débutants. Je sais pas qu'on jouait contre une belle équipe de comiques. Hello! Oh, maman! Ah oh, oui, ton beau casse-tête. Mais non, j'ai pas eu le temps de le faire encadrer. Vincent, pas dans la maison. Oui, ben oui, je comprends. Regarde, je vais aller demain. Oui. Oui, à la première heure, maman. Oui, OK. Vincent! Ah, ben oui. Allez dîner chez vous demain? Oh non, 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 non. Vincent fait dire que ça étend vraiment beaucoup. Arrête, t'es niaisé. Oh, ton fameux pain de viande? Non, pas le pain de viande. Hey, maman, pis c'est pas trop difficile, pas? Qu'est-ce qui est difficile? Ben, de savoir que tu vas entraîner une équipe de perdants. C'est pas pour rien que parents riment avec perdants. Ça rime aussi avec enfants, hein? L'équipe des parents pourrait très bien battre la tienne. Surtout si tes coéquipiers et toi faites preuve d'autant d'excès de confiance. Bon, le père de Vincent, là, les autres parents sont pas de calibre. Ils auront un excellent entraîneur pour les mener à la victoire. Ah ouais? Mmh. Ils ont trouvé quelqu'un pour te remplacer? Non, sérieusement, est-ce que l'excellent entraîneur est prêt à parier? Le perdant doit transporter l'équipement de tous les joueurs de l'équipe adverse. Samy, pas besoin de parier pour avoir du plaisir, hein? Il y a comme une odeur de poule mouillée par ici. Taïeb. J'accepte ton pari. Habib, il est pas un peu tôt pour dîner? Oh, papa, le temps passe pas assez vite. J'ai trop hâte à cet après-midi. C'est la première fois que je suis vraiment excitée pour une partie de hockey. Non, pas le hockey, wesh. Moi, je parle du cours de dressage de Costa. Oh, ta mère t'a pas prévenu? Bon, je vais te montrer comment. Je sais que tu l'as pratiqué 100 fois avant que j'arrive. Bon, calme, observe le coup. Non, je veux leur faire. Arrête, là, c'est ça. C'est terrible. Excusez, Monsieur Bocage, c'est un accident. Pas de hockey dans la maison. Il me semble que c'est pas dur à comprendre, ça. Là, vous allez me refaire ça, là. Puis tout de suite. Peux-tu nous aider? Pas d'aide! Ça, pas d'aide? Oh. Ben ça, c'est ta faute! Ne blâme pas ton frère, hein? Ben pourquoi pas? À cause de lui, ma journée est gâchée! Tu iras promener une castor une autre fois? Oui, mais je pourrais pas aller à son cours de dressage! Avec ça, j'aurais été la meilleure promeneuse de chien de la ville! Papa! Je suis désolée, Nadia, mais puisque ni ta mère ni moi ne sommes à la maison cet après-midi, il faut que tu nous accompagnes! Papa, c'est le dernier cours de dressage de Costa! Habibti, dans une famille, il faut être solidaire, hein? Hein? Aujourd'hui, c'est à toi de changer tes plans, mais la prochaine fois, ce sera notre tour. Oui, mais c'est toujours Samy qui a tout! Mais non, Nadia, voyons! Pourquoi ta mère a lavé mon équipement? Parce qu'elle a déclaré que la puanteur de ta poche de hockey était comme une arme de destruction massive. Je trouve plus rien, là. L'équipement de hockey d'un gars, là, on touche pas à ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? L'équipement de hockey d'un gars, là, on touche pas à ça. Le casse-tête! Relax, pas. Un casse-tête, c'est fait pour être en morceaux. C'est pas comme si on avait cassé un vase. Ta grand-mère veut l'afficher sur son mur. Mais justement, si t'avais pas bretté avant de l'encadrer, hein, c'est un peu de ta faute aussi. De ma faute? Désolé, M. Bocage, on va le refaire. Oh que oui! Si vous voulez jouer la partie contre les parents, là, vous allez finir le casse-tête de ta grand-mère avant. Qu'est-ce que tu fais, Didi? Je prépare une affiche pour encourager Samy à l'aréna. Ça, c'est une vraie mazarie, hein? Tu te laisses pas décourager, tu retournes sur tes pieds. Ouais, une petite sœur devrait toujours être là pour soutenir son grand frère, non? Samy, viens voir ce que ta sœur a préparé pour toi. Je
vais la tenir bien haute pour que tout le monde la voie à l'aréna. Let's go, Sammy Chou. Non, tu peux pas montrer ça, là. Quoi, Sammy Chou? Mais là, Sammy Chou, toute l'équipe va rire de moi. Oh, ben, tu gâches ma journée? Alors, je vais gâcher la tienne. Ça, c'est mes conditions. Tu veux pas que je te fasse honte à l'aréna? Tu t'as pas tout ce que tu fais. Mais là, ta liste est interminable. Papa, sais-tu ça, les photos de bébé de Sammy? Ça va faire de belles affiches. Je te donne 5 minutes pour y penser. Sammy Chou. Reviens-tu d'un mariage? Tous les vrais entraîneurs de hockey s'habillent comme ça avant de partir. Quand vous aurez terminé votre discussion sur la mode, on a un casse-tête à finir. Vous jouerez une autre fois? Regardez, j'ai apporté le plan de match. Non, du plan de match, là, on n'est pas à la LNH. Puis on n'est même pas sûr d'y aller. Hein? Comment ça? Son père nous a punis parce que Vincent a fait tomber le casse-tête. Là, ça serait jamais arrivé si tu m'avais laissé tirer. Mais ça serait jamais arrivé si tu m'avais pas forcé à jouer au hockey à l'intérieur. Forcé, t'exagères. OK, t'en mords, je comprends rien. Mais j'ai besoin de mes joueurs étoiles, moi, sur la glace tantôt. Tu parais que tu l'as pas vu tirer tantôt, pas sûr que c'est une joueuse étoile. Hey! Bon, là, bravo, on est vraiment plus avancé. Hein. On n'y arrivera jamais. OK, je compte pas des lâcheux, moi. Si vous avez peur d'un petit casse-tête, ça va être quoi tantôt devant des parents de pied, hein? Mais c'est complètement stupide comme punition. Ben, on va le faire à trois, hein? Non, mon père, il veut pas qu'on ait d'aide. Complètement stupide. Une punition d'envie, c'est pas comme une punition au hockey, là. Ça se négocie. Je vais y parler, moi, ton père. J'étais vraiment frustré. Ben, je vais le faire, hein? Pour l'équipe. Ben. Il est où? Ça marchera jamais. Ben, arrête de bouger si tu veux pas que j'en mette partout. Tu peux changer d'activité aussi. Tu ne peux pas contester mon choix d'activité. Bon, on va voir de quoi ça a l'air. T'es vraiment mauvais. Je vais être obligée de l'enlever. J'espère que tu vas être meilleur pour ma prochaine activité. Faire des bracelets Rainbow Loop. Tu peux pas jouer à un autre jeu, là. Je veux dire, yeah, des Rainbow Loops! Oh, Brandon Lee. On va continuer à jouer. Vous allez voir, M. Mazzari, mon père est vraiment fort au hockey. Je vais justement trouver un chandail. Hey, salut, Brandon! Hey, bye, Brandon! Et voilà. Merci. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Il y a un truc qui te tracasse? Ah non, y a rien qui me tracasse, c'est juste que je me demandais si cet après-midi je pourrais avoir plus de temps de glace que d'habitude. Tu trouves que je te fais pas assez jouer? Pourtant, j'essaie d'être juste et équitable avec tous mes joueurs. Non, pour les autres parties, c'est bien correct. C'est juste qu'aujourd'hui, je me sens vraiment en pleine forme, puis je trouve que ça serait plate de gaspiller toute mon énergie en restant sur le banc. Mmh. Ça m'a l'air d'un gars qui va en mettre plein la vie à son père, ça, hein? Tu sais, Brandon, ton père va être fier de toi, peu importe le temps que tu passes sur la glace ou le nombre de buts que tu comptes. Vous connaissez pas mon père. Juste avoir plus de temps de glace. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. C'est Benjamin qui entraîne ton équipe aujourd'hui. Ah ben cool, il est bien plus facile à convaincre. Trois verres d'eau, Ducal. Il me semble qu'on s'hydrate après la partie, non? Ouais. Justement, en parlant de la partie... Mm-hmm. C'est le trophée pour l'équipe gagnante? Ouais, ouais. J'aimerais ça que ça devienne comme une espèce de tradition, là. L'équipe gagnante part avec. Mais ça veut dire que l'année prochaine, les enfants vont essayer de nous le reprendre. C'est sûr qu'en utilisant des tactiques déloyales... Hein? Ben là, empêcher mes deux meilleurs joueurs de jouer, ça a plus des chances. Regarde, Vincent et Félicie ont couru à leur perte. Mettons que ça doit quand même vous laisser des chances. Mais non, pas toutes. C'est eux autres qui t'envoient. Ah non, eux, ils pensent que vous changerez pas d'avis. Oh, ça veut dire que toi, tu penses que tu vas me faire changer d'idée. Ça en vient intéressant, là. Oh, OK, c'est pas pour rien que c'est les arbitres qui décident des punitions. Hein? C'est pour éviter ce genre de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts? Ben, vous êtes leur adversaire. On laisse pas l'adversaire choisir du temps qu'un joueur puni va rester assis sur le banc, non? Regarde, au lieu de me faire la morale, là, tu devrais prendre 2-3 petites notes. Hein? C'est toi l'entraîneur? Ouais. Ben, ce que j'ai fait, là, c'est de la psychologie. J'ai juste ajouté une petite twist pour les motiver. Une petite twist? Mm-hmm. J'appelle plus ça comme péter une coche? Ben, c'est sûr que je suis peut-être allé un peu fort, là, mais
Le casse-tête, il faut qu'il soit fini pour demain, là. Ma mère, elle veut. Écoutez, M. Bocage, je vais vous donner le même conseil que je donne à tous mes joueurs. Si vous embarquez sur la glace avec des remords ici, ça va paraître jusque dans votre coup de patin. Peut-être que on pourrait trouver une autre petite twist, hein, pour la casse-tête. Faire le petit casse-tête de Julien, ça va nous prendre deux fois moins de temps. Puis toi, tu vas être deux fois mes ressorts. Vincent, Félicie, vous ne sous-estimerez plus jamais mon pouvoir de persuasion, mon pouvoir d'influence et surtout la bonne volonté de M. Bocage. C'est quoi ça? Le nouveau cadeau pour grand-maman. 100 morceaux, on va le finir à temps. Mais oui, mais c'est pas ce casse-tête-là qu'elle veut qu'on encadre. Oui, mais là, si t'avais écouté maman et tu l'avais encadré tout de suite au lieu de toujours remettre à demain, il n'y en aurait pas eu d'accident. Jouer au hockey à l'intérieur, j'appelle pas ça un accident, moi. Monsieur Bocage, peut-être qu'on devrait leur parler de notre entente, hein? Ouais, ben là, je sais plus si ça me tente. Ben là, une entente, c'est une entente. Ton père veut diminuer la punition. OK. Peut-être parler un peu trop vite, là, mais... Vous devez finir le casse-tête de grand-maman avant la partie, mais vous pouvez avoir autant d'aide que vous voulez. C'est ça, ton pouvoir de persuasion? En tout cas, si je joue dans la LNH, rappelle-moi de pas t'envoyer négocier mon contrat. Non, on va le faire en équipe, hein? T'en connais beaucoup, t'as des joueurs de l'équipe qui vont vouloir perdre leur journée à faire un casse-tête? Ben, j'en connais au moins un. Hein? C'est très chimique, ces trucs-là. Mets pas ça sur ta peau. Mais là, j'ai pas le choix, ça part pas. Heureusement, c'est une couleur qui va bien avec ton chandail de hockey. Est-ce qu'on a de laine d'acier? Quoi? Voyons, je vais pas te laisser te sabler les mains. Prends le dissolvant de ta mère. Je peux pas en dire le tout utilisé. Migrouille! J'arrive! J'arrive qui? J'arrive, princesse Nadia. Samy, t'as pas besoin de faire ça, hein? Je vais lui parler à Nadia. Non, c'est pas nécessaire. Elle doit comprendre qu'elle ne gagnera rien à te faire payer pour l'histoire de Costa. Non, mais c'est ça l'affaire, elle me fait rien payer. C'est ton choix? Ben, disons que mon choix, c'est de faire plaisir à ma petite soeur. J'espère qu'elle aura pas envie de me maquiller le visage. Génial, le premier trio est enfin complété. Pour vrai, coach, je suis le premier trio, coach. Je suis vraiment content que ce soit toi, le coach. Coach? Ben, le premier trio de faiseurs de casse-tête, là. Allez, assieds-toi, puis mets ta main à la porte. Ben, au casse-tête. Allez, allez! Tu m'as fait venir ici pour que je joue à des jeux de bébé. On est une équipe sur la glace et dans le salon. Notre seul d'arté s'arrête pas quand on débarque la patinoire. Regarde, c'est comme jouer une partie de hockey, mais au lieu de compter des buts, ben, tu places des morceaux. Hein? Bon, regarde. Lui. Non, ici. Bon, tu vois, même toi, t'abandonnes. Ouais, mais moi, je serai pas sur la glace avec vous tantôt, là. Mais nous non plus, ça continue. Hein? Le match est annulé. Non, mais si on finit pas ça, on jouera pas. Ah, ouais? Ben, c'est vraiment poche pour vous deux, ça. Hey, c'est vrai, j'avais oublié, ma mère voulait que j'aille acheter des timbres. Tu sais, les vieux, ils envoient encore des lettres au lieu des mails. Tu vois, je t'avais dit que personne ne voudrait nous aider. Bernadette, reste assis, là. Toi, on a besoin de toi, OK? Là, vous deux, si vous mettiez autant d'énergie à faire le casse-tête qu'à chialer, ça serait déjà fini. Non, non, je vais pas relaxer. Vous m'écoutez jamais puis vous me faites pas confiance. Ça va être quoi sur la glace tantôt? La partie d'aujourd'hui, là, c'est juste une grosse chose pour vous. Mais ça, vous en foutez, hein, que ça soit super important pour moi. Moi, je démissionne. Inquiétez-vous pas, je vais trouver un autre coach. Bien meilleur que lui, OK? Ah, puis je vais vous texter le pointage si vous finissez pas le casse-tête à temps, OK? Hey, qu'est-ce que t'en penses? Raph Roland, ça va être un super bon coach. Non, il n'y en a pas question, là. Raph Roland a jamais joué au hockey de sa vie. Comme qui, déjà? Ah oui, ton père. Ça n'empêche pas d'être coach. De toute façon, t'as pas bien le choix, Benjamin vient de démissionner. Quoi? Fait que Sam et Félicie sont d'accord? Mettons qu'ils ont pas vraiment leur mot à dire. De toute façon, tu vas voir là, ça va bien aller, là. Je vais parler à Raph, là. Je vais lui expliquer les règles, puis je vais lui dire quoi faire. Pas besoin de demander à Raph. Je connais l'entraîneur parfait. Moi? T'as jamais joué au hockey de ta vie? Comme qui donc? Ah oh, oui, Raph Roland. T'as pas l'appuyer, là? Ben, t'sais, on a personne d'autre. Allô? On va avoir l'air de quoi devant les parents si on se fait coacher par un petit cul? Une ligue multigénérationnelle. Multipoche, tu veux dire?
Et punition, 2 minutes. Nadia, l'entraîneuse donne pas les punitions. Là. Non, c'est vrai. Elle donne autre chose. Si j'appuie ta candidature, voudras-tu me donner le temps de glace que je veux? Ouais. Nadia, j'appuie ta candidature. Il manque de filles au hockey. Cool! Hey Brandon, qu'est-ce que t'en dis si notre jeune équipe c'était wouf wouf? Si j'accepte ta proposition de cri, me nommes-tu capitaine? Pourquoi pas? Attends un peu. On va devoir dire wouf wouf et Brandon Lee va être le capitaine de notre équipe. Je suis prêt à plein d'affaires pour Costa, mais pas à ça! Ça me dérange moins de pas jouer. Wouf wouf! Bon. Non, tu vois pas qu'il manque des morceaux? Je suis sûr que c'est Ben qui les a piqués pour se venger. Se venger de quoi? Mettons qu'on a des poches avec lui. Ben, c'est parfait, ça. Vous vous excusez, Benjamin redevient notre entraîneur, il vous redonne les pièces, puis Nadia pourra plus coacher. C'est le voleur. Entre! T'es venu t'excuser? Vincent, il est mêlé, là. C'est lui et Félicie qui veulent s'excuser. On veut vraiment que tu redeviennes notre entraîneur. On veut surtout que tu nous redonnes les pièces du casse-tête que t'as piqué. Vous pensez vraiment que c'est moi qui ai volé les pièces? Voyons, j'étais le seul qui voulait faire le casse-tête ce matin. C'est plus Vincent qui pense ça. Et belle solidarité, Félicie. J'ai rien volé. Je suis juste venu pour ça. Puis pour les morceaux qui manquent, là, vous avez juste à mettre des bouts de carton bleu en dessous. Bleu ciel sur un ciel bleu. Ton père s'en rendra pas compte avant la partie. Bravo, c'est les meilleures excuses que j'ai entendues de toute ma vie. Jean-Christophe, t'as lu le voleur, c'est lui qui a trouvé la solution à votre problème. C'est beau, on a compris. Ben, salut. Hey. Va ramener ton casse-croûte. Ben, attends. On t'a apporté ça. C'est dit que tous les vrais entraîneurs apportaient. On veut vraiment que tu sois notre entraîneur, là. Ne sera plus jamais tombé. On est désolé. Bon, OK. C'est vrai que ce serait pas si mon linge de Noël sentait les patates frites, hein? Bon, il y a juste un mini problème, là. Ma soeur veut être notre entraîneuse. Ouais, mais il est revenu, elle va comprendre. C'est plus facile de se débarrasser d'une odeur de moufette que de Nadia, là. À moins que t'aies un chien à lui faire promener à la reine. Non, mais j'ai une super grosse surprise. Viens-en. Papa, t'es où? La partie va commencer. Mais tu m'avais promis que... Ben oui, c'est ça. Bye. Tu vas bien, Brandon? Mon père peut pas venir. Il travaille. Désolé. Pourquoi on s'en fout, là? C'est une partie comme les autres. Pensez à toutes les fois où vos parents vous ont puni pour rien. Toutes les fois, ils ont éteint la télé quand vous étiez sur le point de gagner votre partie de jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour des représailles. Go, go, go! T'as mieux d'être bien, bien, votre surprise. Si t'es pas contente, c'est toi qui coaches la deuxième période. T'embarques pas sur la glace? Vous tente pas. Bon, là, Brandon Lee, ton équipe a besoin de toi, OK? J'ai besoin de toi. Tu vas embarquer sur la glace, tu vas donner le meilleur de toi-même, OK? Go, Brandon Lee, go! Yes! C'est bon, ça! Yes! Hey, où ton père? Aïe, aïe! Avec les 3 paliers de gouvernement, à un moment donné, il y a plus de... Oh! De notre gardien étoile! Ouais, ben les gars, si on veut gagner, là, il va falloir faire au moins 30 buts.
C'est vraiment la plus belle surprise que j'ai eue de ma vie. Est-ce que je peux vraiment monter dessus? Les dames d'abord. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hey, on passe pas bien. Non. Y a pas un règlement qui dit qu'après 35 buts, le gardien a le droit à une petite pause. C'est pas de refus. Allez, aide-moi. Hey, ben c'est là debout, là. Pêcher un nouveau gardien au camp d'entraînement. Eh, hey, mais nous autres, on veut M. Mazzari. Il est plus poche que la poche. Ben, regardez-le comme faut, là, parce que l'an prochain, on va vous le reprendre. Mais non, l'an prochain, on va vous blanchir. Hey, 37 à 12, c'est un record mondial, je pense. Vincent, où est-ce que tu veux ça? Oh, tu peux dire n'importe où, hein, même sur le toit, c'est ça conséquent. En tout cas, l'an prochain, plus de paris. Hein? Pourquoi tu dis ça, Sad? L'an prochain, on va gagner. Puis Brendan Lee, là, tu demanderas à ton père qu'il vienne jouer avec nous autres. Ça nous prend un vrai gardien l'année prochaine. Non, je parle de poche. De la poche de hockey, là. La poche a au moins fait quelques arrêts, hein, tandis que moi... Hey, quand Sad est revenu sur le banc, là, je lui ai demandé de te filmer. On n'a pas ton premier but, mais les trois autres sont là. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, tu pourras le montrer à ton père. Ah, comme ça, l'année prochaine, s'il veut jouer, ben, il pourra se préparer. Bonne idée. je veux dire, ouais, peut-être. Vincent, ici. C'est quoi ça? On voulait le finir, je te le jure, mais il manquait des morceaux. C'est de ma faute. On est une équipe jusqu'au bout. Hmm? D'abord, c'est de ma faute aussi. La mienne aussi. C'est de ma faute. Moi, j'ai rien fait. Non, c'est vraiment de ma faute, là. J'étais trop stressé à cause du match, puis j'ai mis les morceaux dans mes poches sans m'en rendre compte. Hey, Vincent, est-ce que ta grand-mère joue au hockey? Ah, elle pouvait remplacer mon père. Viens sur le site et tu pourras toi aussi collaborer à la vie de quartier de Subito Texto.